Les dates prévues, c'est du 22 au 24 novembre 2019. Nous sommes pratiquement à la fin, tout est déjà fin prêt. Les infrastructures à ériger sont déjà érigées. Nous sommes juste là en train de faire des petits nettoyages. Nous sommes effectivement en ce moment à la phase d'invite. Le programme, il est simple. C'est d'abord un programme essentiellement culturel. Premièrement, le vendredi, à partir de 11h, aura lieu l'inauguration de la place Bakirundo de Savalou. Après l'inauguration, il y aura une animation qui va se dérouler jusqu'à 16h. Après 16h, les têtes couronnées vont se retirer pour aller participer à un conseil des têtes couronnées maquis. Un grand conseil qui aura lieu la nuit, c'est un conseil playback qui se passera de 19h à 19h le vendredi à 4h le samedi. Après ça, on se retire, on se repose un peu, on reprend un autre conseil, cette fois-ci uniquement conduit par des artistes de la musique traditionnelle. Et ça va se dérouler de 11h à 16h, sans interruption. Je dis sans interruption, j'insiste dessus parce qu'en ce moment, sur la même place, il est érigé des places pour manger. Ceux qui ont faim, ils se lèvent, vont manger, ils reviennent s'asseoir. Devant tous les invités, tous ceux qui sont là auront droit à la nourriture. Uniquement à de l'yampilé. Après ça, nous aurons une petite pause. Il y aura le deuxième concert que nous appelons le concert des géants. Vous aurez à voir Don Metoc, Petit Miguelito, Vifent, tous les grands artistes de la culture mari. Ce concert va commencer à partir de 19h, 20h jusqu'à l'autre. Dimanche 24, nous aurons un genre, c'est la première. On aura un genre de pique-nique où sur la place à pêle-mêle, les gens sont en train de manger, il y aura de la musique pour animer jusqu'à midi. Au Bénin, quand il y a une grande manifestation, on se met en uniforme. Je suis dans une uniforme là, par exemple, qui n'a rien à voir avec Makirundo. Mais pourtant, c'est une uniforme. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre chose, c'est que chaque fois que vous revoyez ce tissu, ça vous rappelle les temps forts de ce que vous aviez vu pendant que vous étiez au festival. Makirundo, c'est voir et apprécier. Nous invitons des gens à voir eux-mêmes ce qu'on va faire. D'abord, il faut se dire qu'est-ce que nous appelons Mari. Mari, c'est d'abord ceux qui sont mariés de père, mais c'est aussi ceux qui sont mariés de mère. Il y a aussi les mariés par alliance. Des filles, des femmes qui se sont mariées à des maris ou des hommes qui sont mariés à des femmes mariées. Et aussi les mariés par sympathie. Tous ceux qui veulent voir, assister au festival, nous constaterons que le festival Makirundo est complètement différent de tous les festivals qui s'organisent au Bénin. Parce que c'est un festival entièrement culturel. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de politique, il n'y a rien du tout. C'est pourquoi nous disons toujours, il faut y voir, il faut aller voir pour y croire et apprécier soi-même. J'invite tout le monde à venir à Savalou. C'est du 22 au 24 novembre.